si magique. Hé, hey, les amis, approchez. Ne serait-ce qu'un instant pour écouter le vent sur toutes les villes. Un son merveilleux transperce les cieux sur les collines. Descendent les troupeaux au son d'un pipeau sur les montagnes. Le soleil enlace, les neiges font glace sur les prairies. Les fleurs vaporisent un parfum de miel. D'abord quelques notes comme pour se donner du courage. Puis il joua vraiment. Le son devint si bon, si envoûtant, que de toutes parts les gens accouraient. Ils laissaient leurs ouvrages, ils coupaient leurs bavardages. Ils étaient étonnés. Les portes, les fenêtres s'ouvraient. C'était absolument merveilleux, fantastique. On ne pouvait y croire. Monsieur Grégoire buvait cet instant et jouait de plus en plus vite. Puis il fit quelques pas et s'éleva dans le ciel. Et les enfants le suivaient. En riant, en dansant, faisant ronde autour de lui. Bientôt tout le monde se retrouva haut dans le ciel. Il se levait, s'élevait, s'élevait. Il dansait, il dansait, il dansait. Et Monsieur Grégoire jouait, jouait, jouait.